Petit retour sur expédition en Arizona sur Coconino, histoire de faire les contrats. Il m'en reste pas mal. C'est surtout très bordélique aussi, puisque comme d'habitude, tout est mélangé. Alors, je voudrais partir sur Lefto, parce que celui-ci me permettra de débloquer le pare-chocs qui me manque pour le Afim que je veux depuis un moment. Alors, visiblement, détail. Alors, il me faut un mécanicien, je ne sais pas pourquoi, et deux pièges à images. 12 800 balles par buff renforcé, ok. Alors, nous aimerions que vous installiez des caméras pour surveiller les oiseaux en voie de disparition qui vivent dans la région. Il y a eu une augmentation des activités des braconniers et nous aimerions rassembler des preuves pour aller porter plainte. Ok. Bien, bien, bien. Donc, mécanicien et deux pièges à images. Par contre, faut que je les pose où vos pièges à images? Ah, les deux trucs là-haut et là-haut? Ok. Et comment on y monte là-haut? Oh. Ça a l'air chelou pour monter là-haut, hein. Peut-être par là. Ouais, ça a l'air d'être ça, hein. Ça a l'air d'être ça, ok. Donc on va partir du bas. Qu'est-ce qu'on va prendre comme véhicule? Donc j'ai dit deux pièges à images, un mécanicien. Donc ça, faut surtout pas que j'oublie. Un mécanicien, c'est lui qui me permet de consommer moins. Et eh ben parfait. Allez hop. Ensuite, deux pièges à images, mais il faut d'abord que je sélectionne un véhicule. Coconino, c'est la carte d'Arizona que je préfère. Elle est pas mal, ouais. Elle est pas mal. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part sur un petit Afim? Qu'est-ce qu'on a déjà? Que je refasse le tour. Il n'y en a pas 50, hein. Il n'y a vraiment pas 50 véhicules. Je pense qu'il en faut vraiment quelques-uns de plus. Hein. Une petite donne 71. Elle est un peu cheatée, un peu merdique, surtout avec ses pare-chocs, là, je trouve. Est-ce qu'on part avec une donne 71? On va faire ça. Hein. Bon, allez, pour celui-là, on va partir avec une donne. On va se mettre celui-ci au cas où en plus. Alors, inventaire. Ah si, les pièges à images, c'est là-dedans en plus qu'ils vont. Ouais, donc je pourrais plus rien prendre si je trouve un. Si je trouve un petit quelque chose. Ok. Donc ça, c'est bon. Deux pièges à images. Putain, vache. Ça rame sévère du cul. Comme dirait l'autre. Pare-choc avant. Donc on a cette daube. On a celui-ci, on a celui de série. Bon, bah on va remettre celui-là. Hein. Et pour l'arrière, qu'est-ce qu'on a? Emplacement 1. Alors, c'est pas une roue de secours. Là, j'ai deux emplacements plus une roue de secours. On va peut-être repartir sur ça. Hein. Hop. Donc, ouais, c'est pas très joli. Hein. C'est pas très très joli la façon dont ils font. Alors, j'en ai 3 sur le toit. Faudra peut-être que j'ai un peu de pièces détachées. Voilà, c'est pas trop mal. Des jantes, on va peut-être changer un petit peu. Peut-être mettre des jantes jaunes. Couleur. Pourquoi pas. Pourquoi pas en jaune. Et elle en composite. Ah, j'ai pas les ailes. Oh, les ailes renforcées sont moches. Ouais, elles sont moches, hein. Mais je les ai pas. Je les ai pas, faudra peut-être que j'ai déverrouille, je sais même pas, ingrédients secrets, je sais même plus où c'est, bon on verra bien. Ça n'a pas d'importance. Bon, bah on va partir avec ça. J'ai rien de plus à custom, j'ai mes deux pièges à images. Allez, tu vas y arriver le jeu. Vivement la mise à jour, j'espère qu'ils vont corriger des trucs. Hein. Ils disent qu'ils sont confiants sur la suite du jeu, il y a intérêt qu'ils avancent des trucs alors. Hein. Bien, donc ça, et puis celui-ci, il y a tout ce qu'il faut, il sera très bien. On va laisser comme ça, il n'est pas très très beau, tu vas me dire. Je le mettrais bien une autre couleur. Je suis pas très fan de la couleur que je lui ai mis. Ouais, c'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Allez, c'est parti. On a le mécano, on a les deux trucs. Déploiement, alors c'est plutôt au sud. Donc on va se déployer au sud. La donne est un peu basse, c'est dommage. Ouais, elle passe encore bien. Elle passe encore très bien, je trouve. Allez, c'est parti. C'est flashy? Ah bah attends, c'est expédition, hein. Faut du flashy. Hein. C'est un peu comme ça que le jeu fonctionne, hein. Avec du truc un peu flashy. Hein. Ah, ils arrivent pas à tenir l'un à côté de l'autre, là, vous allez me dire? D'accord. La donne. Hop, voilà. Ah. Le moteur. On le coupe comme ça. Merci. Bien, alors, ouais, il y a déjà un drop ici, mais... Ouais. Ah, quoi qu'il y aura un truc pour me remettre sur mes roues au cas où je me casse la gueule, ça peut peut-être être sympa. Ouh, c'est vachement haut par contre, vachement haut, vachement loin. Ah non, non, ça m'emmerde, je vais plutôt y aller sans. Hein.
vais plutôt y aller sans, je crois. Donc on va passer par là. On va essayer de descendre là sans se casser la gueule. Je crois que ça passe par là. C'est ça, hein. Ah bah pour monter, c'est peut-être par là. J'avais dit que c'était peut-être par là pour monter. Hop, donc techniquement, je mets le premier piège là-haut. Alors on va peut-être activer le bon contrat, ça sera pas mal. Lève-toi. Suivre. Donc on a les deux positions ici en espérant qu'ils me disent pas. C'est l'un des deux et puis après on te rajoute 2 points. Bon, on va voir. Et puis la journée, s'il vous plaît, 10h du mat. Et c'est parti. Allez, go. C'est derrière moi. Avec Telinx, c'est la Fashion Week, ouais. Au moins, je peux pas la perdre. Ah, c'est pas dit. Ouais, elle est chouette comme ça, j'aime bien en jaune, moi. J'aime bien les couleurs flashy des fois sur les véhicules, ça leur donne un petit truc rallye, un petit truc course. Ça fait des fois des trucs sympas. On pense que non, mais en fait, ça fait des trucs pas mal. Alors ça, c'est moi qui l'ai posé, le truc. Alors le seul petit souci, c'est que je suis pas avec un gros véhicule pour descendre. Donc je vais me casser la gueule. C'est pas vraiment une question, c'est plutôt une certitude. Ouais. Hein. On va plutôt contourner parce que là je passerai pas. Hein. Avec un camion ça passe à peu près, un scout c'est mort. Le cheese, oui, sauf Rose Gitsune. Je lui ai fait une petite dédicace dans une vidéo à Gitsune. Dans TDU. Par là? Ouais, c'est par là. Par contre, elle tourne pas du tout. Aïe. Merci le bloc diff toujours actif. Ah, puis c'est vrai que dès que tu frôles un truc, ça pète le véhicule. Ça, j'ai essayé de le balancer au développeur de Roadblock parce qu'il parlait des autres jeux. J'ai pas eu de réponse. En espérant que ce soit un truc qui soit corrigé, parce que je pense que c'est pas vraiment normal, mais... ni normal ni très intéressant. Allez, voilà, ça a tapé. Le pare-choc est toujours en état. Ah ouais, on dirait toujours en état. Le problème de la carte de Coconino, c'est quand même une fois que tu démarres soit au sud soit au nord, bah t'as pas beaucoup d'autres possibilités. J'ai pas de snorkel? Ça craint du boudin. Elle est super belle comme ça, moi j'aime bien. Je la trouve super cool. Je trouve que jaune dans le désert ça passe bien. Ouais, enfin je sais pas dans le désert, mais j'aime super bien comme elle est là avec sa tronche en pare-choc un peu carré. Les gros pneus, je la trouve super chouette. Alors, par contre, la descente, ça se fait par où s'il vous plaît? Ouais, il y a moyen par là. Je sais pas par où je vais après. Par en bas, ouais, c'est peut-être pas la peine alors que je descende là. Hein. Peut-être aller plus loin, à mon avis. Ah bah oui, surtout qu'en fait, faut rester en haut. D'accord. C'est vrai que ce petit dé STP, le Discord officiel, c'est SnowRunner, pas Focus Entertainment, car sur Steam. Steam ou Stream, ça mène au Discord de Focus, m'internet sur Discord de Snow. Je pense qu'officiel c'est Snow, mais ta confirmation n'est pas de trop. Oui, non, c'est pas au Focus, hein, c'est le SnowRunner officiel. Normalement, si tu cherches le site officiel de Snow, j'ai partagé l'adresse du site officiel de Roadcraft, je crois, qui est la même. Hein. Normalement, tu vas sur SnowRunner et puis tu dois trouver les différentes adresses qui peuvent t'apporter des trucs, donc tu dois pouvoir la trouver facilement. Hein.
Mais normalement, oui, c'est celle de Snow. Hein. Ça fait tellement longtemps que j'y suis, je sais pas trop, mais... Techniquement, oui, parce qu'il n'y a que les jeux runner dessus. Hein. Ah, je vais péter le pare-choc. Hein. On va passer là-bas parce que... Oui, c'est joli en jaune. Ce côté de la carte, il y a des passages bien sympas. Ah, ça, après, oui, mais... Le seul truc que je trouve, des fois, expédition, le problème, c'est que tu démarres d'un point, et comme tu vas redémarrer à chaque fois de ce point, surtout moi, en refaisant les contrats à chaque fois en partant de la base, bah, tu refais tout le temps le même chemin, et c'est assez usant, quand même. Ah, ça fait du bien en ce moment là, vu que le community manager là, il est parti en week-end, forcément. Ça me fait des vacances. Ça me fait des vacances parce qu'il communique, il communique, il communique. Je suis obligé de tout traduire, tout rechercher. Le matin, le soir, il recommunique des fois à n'importe quelle heure. Bon, il lâche pas toujours beaucoup de grosses infos, mais il y a des fois si quand même. Hein. Des fois, il lâche quand même des trucs. Bon, bah, on va choper un treuil. Hein. Hop. Bon, je suis pas beaucoup servi là, mais je pense qu'il m'a aidé quand même à éviter de redescendre. Bah, de rien. Tu m'étonnes, t'as tellement d'infos à décortiquer. Après, il n'y a pas forcément beaucoup d'infos, mais il y a beaucoup de trucs à lire. Des fois, parce qu'il peut te balancer des toutes petites infos, mais qui peuvent t'apporter pas mal de réponses. Et aussi, des fois, faut les comprendre. Parce qu'il y a des fois, j'ai fait quelques conneries de compréhension, c'est pas évident. Hein. Faut déjà les traduire, les comprendre. Ah merde! Les traduire, les comprendre. Bien être sûr de quoi il parle, parce que des fois ça se mélange, des fois il répond à quelqu'un, des fois non. Ouais, je suis pas fan là. C'est vraiment pas évident. Hein. Là en plus il y a carrément 3 Discord, voire enfin 3 jeux. Mais il y a quoi? Il y a 4 salons, je crois, que je suis obligé de suivre. Roadcraft, SnowRunner PTS, Expédition normale et Expédition PBB. Alors, heureusement, sur Expédition, il n'y a pas grand-chose déjà. Sur SnowRunner, ça se tasse à part quand il y a une mise à jour, généralement. Et comme ils en font pas beaucoup. Je sais pas, ils ont l'air d'être très satisfaits de ce qui va arriver dans l'expédition. Moi, j'espère, hein. Tant mieux, j'espère. J'ai du mal à. Je suis sûr que ça va être sympa. Est-ce que ça va être plus que sympa? J'en ai aucune idée. J'ai quelques doutes, quelques réticences, quelques craintes. Surtout qu'il y en a quelques-uns, je leur rappelle qu'ils avaient dit qu'ils utiliseraient que le thème de l'Arizona, le biome. Peut-être qu'ils ont changé, mais. C'est ce qui a été dit, et même si au pire ils reprennent les Carpates, c'est pas suffisant. Hein. Et à mon avis, ils vont pas mettre de neige comme ils l'ont dit, donc ça va être chiant. Hein. Salut Nine Alex, bienvenue à toi. Tu traduis beaucoup ton langue, je pensais que tu parlais quasiment anglais. Non, alors je le parle pas, je l'insulte, je le crache. Non, je déconne, mais j'arrivais un peu à comprendre, mais si tu veux, pour être sûr d'avoir les subtilités, il vaut mieux que je fasse une trad Google des fois pour être sûr, parce qu'il y a des mots. Que j'ai du mal à retenir en traduction et que je... Du coup, ça modifie totalement le sens d'une phrase, donc j'ai plutôt intérêt des fois de faire des trades pour être sûr de la connerie que je risque de vous raconter après. Donc... Je fais quand même quelques petites trades obligatoires, ça m'évite des fois... Oh putain, j'ai eu un gros flash. Ah putain, je vais être obligé d'arrêter, ça se trouve. Putain, ouais. Et il a pas mis longtemps, c'est qu'il est pas loin. Oh, fait chier, faut que ça tombe ce soir. Hein. Et puis je vais arrêter 2 minutes après, il n'y aura plus rien. Putain, ça m'énerve. Putain, ça fait chier ça. Hein. Fallait que ça tombe ce soir. Hein, le... Ah là là, c'est pas possible. Bon bah, si ça coupe, les gars, c'est que je suis mort. C'est qu'il y a un éclair qui est tombé dessus là. Mais je sais pas, ouais, ça risque de tomber un peu là. On va peut-être se mettre un peu plus loin, je verrai comment je retaille. Voilà.
Tac. Ensuite, faut aller chercher le deuxième jusque là-haut. Donc, va falloir que je redescende pour remonter. Visiblement, là, il y a de quoi monter. Là aussi. Peut-être là aussi. Là. Alors, pour redescendre, faut que je reprenne le même chemin, je pense. Par là, ça peut peut-être se faire. Ensuite. Par là, c'est pas possible. Tout au fond. On va dire comme ça. On va dire comme ça. Bon, bah, c'est parti. J'aimerais bien pouvoir finir la mission avant de couper si jamais il y a vraiment de l'orage. Merde, c'est pas là. C'est la première fois que je viens sur un de tes lives. Je te suis sur YouTube depuis près d'1 an. Et bienvenue à toi. Et merci. En ce moment, je fais les contrats de bois des premières phases sur Snow. J'utilise beaucoup le plafond pour les troncs longs. Le plafond ? Ah, le plaid, d'accord. Aïe. Le plaid est très très bien. Trop bien même. L'autre jour, tu disais pour ceux qui ont fini XP, c'est moins intéressant de regarder tes vidéos, mais je trouve que si, car tu passes pas par les mêmes endroits, c'est très intéressant de savoir comment tu fais. Ouais, après, voilà. Hein. Moi, je me dis que ça doit être un peu chiant, et merde, c'était bien là-bas. Je me dis que ça doit être un peu chiant, mais écoute, si vous y trouvez votre compte, tant mieux. Après, ça peut peut-être servir à des personnes qui ont un peu plus de mal ou tout ça, vu que je fais vidéo par mission. Si ça plaît, tant mieux, hein. J'ai envie de faire pour SnowRunner Expedition un full set, comme j'ai dit, d'une vidéo par mission. Expedition, pour l'instant, je m'y tiens. SnowRunner, je suis en train de tout reprendre. J'ai fini le jeu de base, déjà. Ça fait des vidéos un peu plus qualitatives, où je tente des trucs un peu plus sympas. Je refais, du coup, aussi une estimation du temps de jeu que prennent chaque carte, chaque région. Ça, je pourrais éventuellement avoir... plus de recul là-dessus. Oh la merde, c'est pas par là. C'est pas grave, ça passe. L'orage s'est calmé visiblement, 2 secondes en tout cas. Il s'est éloigné, on dirait. Moi j'ai eu orage à 19h. Toujours pas fini XP, il est hyper long XP. Hein. Franchement, c'est. À combien de temps j'en suis? Viens voir, juste pour voir. 6 jours, 14h. Ça fait 120. Oh merde. 144 plus 14. 158 heures, je crois. Ça doit être ça. Ah, par contre, l'orage est quand même assez vénère. Il m'emmerde, hein. Il m'emmerde. Il faut qu'il soit là ce soir. Hein. C'est pas possible, hein. Déjà, l'autre fois, il y avait eu de l'orage. Je sais pas si vous l'avez entendu. Sur une des vidéos où j'étais avec le Can Marshall, il y a un éclair qui est tombé, mais vraiment pas loin. C'est le seul qui est tombé. Mais alors, même dans la vidéo, on l'entend. Alors que pourtant j'ai un micro quand je suis dans mon coin et qui capte pas trop les sons ambiants. On l'a carrément entendu dedans et waouh. Wow. Ouais, ça, il m'a un peu fait peur sur le coup. Hein. Donc j'ai arrêté très très vite. Et là, comme par hasard, je rejoue Expédition, j'ai encore de l'orage. Comme quoi, la météo ne veut pas que je joue à Expédition. Donc je sais pas, je vais peut-être finir la mission, faire une petite pause une demi-heure et puis revenir si jamais ça se calme. Je voudrais pas risquer quoi que ce soit, je sais pas. Pas que ma télé 4K, tout ça explose. Ça ferait un peu cher à remplacer le tout. Je préparais comme type de vidéo pour Roadcraft. Le problème c'est que Roadcraft, je peux pas te dire, je sais même pas comment il va fonctionner. Donc on verra. Hein. On verra. Peut-être. Peut-être, peut-être pas. Je sais tellement pas comment le jeu va marcher, est-ce qu'il y aura un garage. Est-ce que ça sera des missions? Est-ce que... Combien de temps ça va durer? Je sais pas. Peut-être, hein. Peut-être. Alors peut-être que du coup je ferai plusieurs missions dans la vidéo de découverte, tout ça. Peut-être que je recommencerai pour avoir un truc vraiment propre. Je sais pas. On verra. On en reparlera en 2025. Pour l'instant c'est trop compliqué à dire, mais ouais j'aimerais bien... J'aimerais bien, je pense, faire le même système. Après, ça sera peut-être beaucoup plus libre.
Mais ça peut peut-être justement plus aider quand c'est plus libre. Des fois, les gens peuvent se dire, ah ouais, mince, j'avais pas pensé à faire ça comme ça, parce que là, en gros, on peut tous faire pareil pour XP, à part éventuellement le chemin, mais... Tandis que Roadblock, ça sera peut-être très très différent. Ça sera peut-être compliqué aussi, parce que... Il y a l'orage encore, hein. Peut-être qu'on verra une route, et du coup, vous vous dites, ah, mais moi, c'est pas une route, bah oui, bah je l'ai construit, machin, etc. Donc, je ne sais pas comment je ferai, on verra à ce moment-là. Bon, bah ça aurait été un live assez court si jamais j'arrête. Ça m'énerve. Hein. Bon, pire, je peux reprendre dans une demi-heure. Hein, mais... Je sais pas trop si ça se calme ou si ça revient un peu plus. J'entends pas trop. Fait un bon boulot quand même, la donne. Hein. Je m'en sors à peu près. Hein. Je sens qu'elle est quand même assez lourde et plutôt compétente, je trouve. J'ai hâte de voir pourquoi les devs se persuadent que l'expédition va reprendre de la hype. N'ai pas d'idée de ce qu'ils peuvent faire. Bah déjà, on sait que le co-op va arriver avec la saison 1. On sait qu'ils vont corriger quelques trucs, mais bon, c'est un peu tardif pour certains, hein, comme la possibilité de se téléporter sur un véhicule d'une autre map. Il y a la saison 1 qui arrive, il y a le crocodile gratuit qui arrive en même temps. Mais voilà, c'est... après ça a l'air d'être tout le year pass qu'ils ont l'air d'être contents, hein, pas spécialement. Ils attendent effectivement un regain avec la saison 1, je pense que c'est le co-op principalement. Est-ce que ça va suffire? J'ai des doutes, hein. Comme je le disais sur Discord, ou je sais plus où, j'ai la sensation que l'Expédition est un jeu beaucoup plus solitaire. Il n'y a pas vraiment d'intérêt de plusieurs, tu vas pas transporter chacun une ressource, des trucs comme ça, comme SnowRunner. Donc j'ai des doutes qu'Expédition, vraiment en coop, soit génial. À tester, ça peut être très très sympa, hein, mais à faire en entier, bof. Hein. Je me vois pas refaire 50 missions sur la même carte à deux. En plus, tu n'iras pas plus vite parce que. Autant tu peux éventuellement te partager les différents points à aller voir, mais du coup bah, tu perds tout le côté truc coop. Donc finalement, voilà quoi, j'ai la sensation vraiment que ça va pas être terrible le coop. Hein. Alors je vois, il y en a plein, il y en a quelques-uns, parce qu'il y en a plein, non. Il y a quelques-uns qui recherchent des joueurs pour faire du coop sur le Discord officiel, ils trouvent pas. Il y a personne, bon, en même temps il y a que PC du coup. Donc quand il y aura les joueurs console, il y en aura peut-être plus, mais. Du coup, il y en a qui. Il y en a qui font des réponses à la con, ils mettent soon, bientôt, parce que c'est la seule info qu'on a pour techniquement le co-op dans Expédition, c'est bientôt, soon. Alors normalement, ils ont l'air de dire que ça arrivera que la saison 1, mais on va rester prudent. Hein. Bon. Alors le piaf, où est-ce que je te le mets? Hop! Ben voilà. Cela contribuera grandement à la préservation de ces espèces pour les générations à venir. 12 800 balles et le pare-choc du AFIM. Alors, est-ce qu'il y a moyen de faire une petite photo ou pas? Avant que je me prenne l'orage et la grêle. Alors, descends du rocher parce que vu que tes roues touchent pas en miniature, ça va faire dégueulasse. On s'en fout. Hop, on va aller voir le pare-choc du AFIM avant d'arrêter. Pour montrer ce que j'ai débloqué. Oh, je suis loin par contre. Hein. Je suis très très loin moi. Hein. Je pensais pas, mais je suis vachement loin. Hein. Bon, ça refait quasiment la même photo que j'ai fait à l'autre, mais tout dépend de la luminosité, ce que ça donnait tout à l'heure. La position du truc pour que ça tienne bien sur la miniature. Avec les herbes, là, on voit plus la bagnole. Ouais, bon, on voit plus rien. Bon, et ben, fin de la mission, hein, j'ai rien d'autre à faire. Hein. Hop, retour au QG. Hop, 12 800 balles, rien d'autre, j'ai rien fait. 2500 mètres, 19 minutes. Ok. Alors, excusez-moi, bon les copains, je vais vous laisser. Je suis exp...
explosé, mais en tout cas c'était très agréable, la commu est sympa et le contenu est bon, je reviendrai. Bah écoute, merci beaucoup à toi, puis à une prochaine. Oui, même que je trouve qu'on se débloque très peu, on se bloque très peu, donc pas besoin de se débloquer en coop, bah ouais, ça aussi. Ouais, on passe avec plaisir. Salut Poulpe! C'est pas un jeu qui est vraiment fait pour le coop. Hein. Bonne nuit à Wash si tu t'en vas aussi. Je sais pas, l'orage a l'air de s'être calmé, donc pour l'instant je vais continuer peut-être. Je vais attendre 5 minutes. Salut Foxtrot One, bienvenue à toi et merci pour ton follow. Excuse-moi, je t'avais pas vu. J'avais pas lu un ou deux messages au-dessus. J'ai 3 de balles pour toi, j'avais vu ça. À quoi peut servir la coop dans ce jeu? Bah, à suivre, à éviter d'être tout seul, mais c'est vrai que c'est light. Hein. Ah bah nickel, tiens, il est déjà là. Par choc avant, hop. Voilà, bon, c'est pas exceptionnel, mais c'est toujours un petit peu plus raccord que ce pare-choc dégueulasse, même s'il va un peu plus au meilleur, un peu plus au bon endroit. Là, il est chromé, alors qu'il faut pas du chromé, quoi. Voilà. Bon, bah voilà, c'était bien. Ça servait pas à grand-chose, mais c'était bien. Allez, on quitte ici, puis on va lancer une nouvelle vidéo, je pense. Je vais attendre 5 minutes de vérifier l'orage, et puis on relance.